최근 에너지 전환을 본격화하면서 역농형 태양광에 대한 교육도 활발히 이뤄지고 있습니다. 루이지로 농업학교의 농장 실습 담당자인 이자벨 씨. 학교와 떨어져 있는 농장으로 우리를 안내했습니다. 오렌지. Qui indique? Ah oui. La place de la distance de plantation. Ah oui. Donc, il fallait qu'on plante tous les 1m50. 1m50. Donc, oui. Avec une canne, on a mesuré 1m50 oui. et on a mis des mouches. Ah. On appelle ça des mouches. Oui. Tous les jours, j'avais une 12 à 15 étudiants qui venaient nous accompagner pour les planter. Et ça, la plantation a duré 10 jours. Ils ont été très volontaires, curieux. Ils avaient envie de savoir pourquoi on mettait ça en place sur le campus Provence Ventoux. 농업학교 학생들은 역농형 태양광이 설치된 부지에 직접 농사를 지으며 역농형 태양광의 효과를 경험해 보고 있습니다. 대대로 농사를 지어 일찍부터 농업의 길을 택했다는 오렐리아. 그 역시 자신의 꿈을 실현시키기 위해선 역농형 태양광이 큰 도움이 될 거라는 걸 공감하고 있었습니다. C'est trop récent pour avoir un recul sur l'agrivoltaïsme. Maintenant, je suis très heureux d'avoir participé à ce chantier de plantation sous panneaux voltaïques. Notamment, on sait qu'on va avoir de plus en plus de fortes chaleurs et que ces panneaux en fait, procurent un petit peu d'ombre au sol et que ça va aider un peu à réguler cette température excessive. 그동안 학생들과 함께 현장 수업을 진행해 온 이자벨 씨는 역농형 태양광이 점점 심각해지는 기후 위기 속에서 식량 안보와 에너지 전환을 동시에 꾀하는 중요한 시설이라고 강조합니다. L'agrivoltaïsme dynamique arrive à un moment opportun dans notre société. Certes, les paysages vont être modifiés par la mise en place de ces panneaux agri-photovoltaïques dynamiques, mais ces paysages agricoles depuis des siècles sont en perpétuelle évolution pour répondre aux enjeux de la société et pour faire face. L'objectif, c'est de pouvoir continuer de nourrir les populations de nos pays tout en préservant l'environnement, en assurant le meilleur pour les générations futures. Et l'agrivoltaïsme aujourd'hui est peut-être une aubaine pour l'agriculteur de demain qui doit. C'est un impératif faire face au changement climatique. On a pu créer en France un label agrivoltaïque et donc définir l'agrivoltaïsme comme effectivement un outil agricole destiné à protéger les cultures. Notre objectif est toujours là, l'agriculture en premier. Et ça répond finalement à un certain nombre de problèmes auxquels font face les agriculteurs de plus en plus souvent aujourd'hui en France. Et donc aujourd'hui, d'être accompagné dans cette voie, c'est-à-dire de reconnaître finalement l'agrivoltaïsme comme une solution pour un agriculteur, au départ financé, payé ensuite par la production d'énergie renouvelable, est sans doute la bonne voie pour pouvoir promouvoir ce type de solution dans le pays.